Salut mes frères, là on est le jour du match Maroc-Égypte et on est en route pour aller voir ce match. Alors les gars, je vous le dis tout de suite, il n'est pas question une seule seconde qu'on revienne sans la médaille les gars. On veut cette médaille de bronze. D'ailleurs j'ai loué une voiture, enfin j'ai pas loué une voiture, mais j'avais le droit à quelques jours de voiture de remplacement par mon assurance. Donc j'ai pris une voiture de remplacement exprès pour faire ce déplacement là les gars. Et cette fois-ci comme pour le dernier match à Marseille, je serai avec mon frère pour ce déplacement. Bon, la dernière fois c'est vrai que ça s'est mal passé. On espère que cette fois-ci ça va mieux se passer. Sinon je pense qu'il aura vraiment le titre de chat noir officiel de cette équipe nationale. C'est ce qu'on espère pas les gars. Là on vient d'arriver à Nantes, on se dirige vers le stade. T'as quoi à dire à ceux qui t'accusent d'être le chat noir de l'équipe nationale? C'est complètement faux, je sais pas d'où provient cette rumeur. Il a... Donc c'est complètement faux. Il a un match, une défaite à son actif les gars quand même. Si là on perd, faudra te remettre en question là. Après l'équipe d'Égypte c'est une très bonne équipe. Ouais, ouais. Ils ont un bon centre de formation, c'est un bon pays de foot. C'est pas une bonne équipe, non. Franchement... Non. Après, c'est quoi ton pronostic justement? Mon pronostic je restais sur les tirs au but. Il veut des tirs au but. Au moins mon laser il s'est révélé à quelque chose. Je te jure. Ouais, tirs au but, bah, franchement, ouais, il y a moyen que ça parte au tir au but. Moi je verrais une bonne victoire 2-0. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui minimisent un petit peu trop l'importance de ce match-là. Alors que, l'air de rien, peut-être à part le match contre l'Espagne, le dernier match, pour moi c'est le match le plus important, c'est JO. Mais frère, regardez, je suis derrière qui les... Il est chaud. C'est parti pour le match. Par contre, on va pas se mentir, le maillot blanc du Maroc il est vraiment moche. Hein. Mais bon. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis d'accord. C'est bien parce qu'on avait peur qu'il fasse un petit peu tourner pour ce match. Un petit peu justement comme le Maroc à la Coupe du Monde pour le match de la 3ème place contre la Croatie. Mais franchement, ça va. Globalement, l'équipe elle est au complet. Bien joué Mounir. Oh là là, encore une fois les gars, Mounir comme d'habitude, hein, ça change pas. Encore comme contre l'Espagne, un peu trop de déchets dans le jeu d'Akomach. Deuxième fois Mounir, deuxième arrêt. Changement pour l'équipe d'Égypte, la sortie de son numéro 14, Sissou. Et l'entrée en jeu de son numéro 11. Ah, il en fait trop, il abuse. Ah, il arrive pas, il arrive pas à passer, il va absolument passer comme ça. Ouais, bien joué, Bilal. Allez, vas-y. Ah, dommage, le contrôle. Allez, vas-y, Abdi. Tenez-moi ce score, pour une fois les gars, tenez-moi ce score. Encore une fois, t'as fait le plus dur. Maintenant, va falloir tenir, c'est ça le problème. Allez, je frappe. Vas-y. Bien joué, Abdi, magnifique.
Mutant va prendre les frères. Franchement, ça faisait n'importe quelle autre équipe. On aurait été serein pour cette deuxième mi-temps. 2-0, tranquille, normalement. Cette deuxième mi-temps, c'est censé être un problème de santé. Mais avec le Maroc, les gars, on sait bien comment ça se passe. On sait bien que peu importe le score, t'es jamais serein. Encore plus quand tu penses que l'Égypte peut vite te faire du match. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Là. C'est parti pour la deuxième mi-temps, les gars. On est à 45 minutes d'une médaille de bronze, frère. Bon. J'ai envie de vous dire, il y a un match ici, on était à 45 minutes d'une médaille d'argent, voire une médaille d'or. Et on sait bien comment ça s'est terminé. Je sais pas ce qu'il a fait là, Hakimi. Il a complètement oublié le ballon là. Et franchement, entièrement, on méritait pas le cadeau. Quelqu'un nous fait un match exceptionnel. On est en train de manger les Égyptiens, les gars. On est en train de les bouffer. Les Égyptiens, vraiment sur le coup de carité, c'est là où ils sont en train. Fallait s'y attendre, hein. Ibrahim Adel. Il a quand même fait du. Il a quand même mis Hakimi en difficulté, pardon. Dans les loges, frère. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est une bonne idée. Là, c'est bon, viens. Viens. Tu peux venir. Ça fait quoi d'être dans les loges, Amine? Il y a aucune utilité, mais bon. Maintenant, on va se chercher la sortie. Tu te balades. À aucun moment, t'as été inquiété. Au bout d'un moment, les gars, les supporters, ils s'occupaient même plus du match. Ils étaient là, incroyable. Ils faisaient la fête. C'est incroyable. Voilà. Je suis dans le débrief. Le multivers. Le MCU. Je suis dans le débrief du numéro 1. C'est toi le numéro 1. Mais non, s'il te plaît. Allez, il a perdu une vertèbre, les gars. Il a perdu, c'est fini. Ils l'ont tué. Mskine, ils l'ont tué. Incroyable. On l'a vu loin, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Au début, je croyais qu'il y avait une bagarre. Ouais, il y a Regragui, les gars. On t'a vu. Oh là, il y a Regragui. Yeah.
Bravo quoi. Il se passe des choses. Regragui, t'as vu? T'as vu Regragui ou pas? T'as vu Regragui? Non, c'est pas, il vient de rentrer, il rentre par l'autre côté, il est malin. Il est malin, on reconnaît le tacticien. Il est rentré du côté droit, il a compris. Il a envoyé l'argent, il est passé à droite. Incroyable. T'as vu Regragui ou pas? Je sais plus, mais il est passé par lui. Mais non, mais ouais. Il est passé par où? Mais je l'ai dit. Mais je vous laisse, l'avocat est passé. Il est passé là. Heureusement, je l'ai pas. Heureusement, je l'ai pas. Heureusement. Du coup, les frères, là, je suis de retour de Nantes. J'espère que vous avez aimé ce vlog, les gars. C'est vrai que c'était un vlog un petit peu spécial, un vlog qui partait dans tous les sens avec plusieurs choses, plusieurs surprises inattendues. Mais j'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez apprécié un petit peu ces vlogs de manière générale pendant ces JO. C'est la première fois que je faisais des vlogs. Et franchement, c'était une super expérience. J'ai beaucoup aimé le fait de faire ces vlogs, le fait d'aller au stade déjà de base, mais le fait de vlogger tout ça. C'était vraiment pas mal. C'est sûr que entre ce vlog là, celui de Marseille, le déplacement à Marseille pour Maroc-Espagne aussi, ça restera un vlog mémorable. En tout cas, merci à tous pour vos retours par rapport à tous ces vlogs. Pourquoi pas une prochaine fois, dans une des prochaines compétitions avec la CAN qui arrive, la CAN 2025 ou 2026 plutôt, qui arrivera très vite. Il y aura peut-être cette possibilité de refaire des vlogs. En tout cas, merci à tous les frères. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.